Après la santé, l'éducation, le gouvernement s'attaque maintenant à la réforme de l'industrie de la construction. Le ministre du Travail va présenter d'ailleurs sa loi la semaine prochaine et espère mener sa réforme à terme afin de répondre à tous les besoins et ainsi permettre d'accélérer les chantiers. Alain Laforêt. Le ministre du Travail estime qu'il faut dépoussiérer la loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. Oui, je pense que oui. Dans cette lettre ouverte qui sera publiée samedi, il écrit « Les temps ont changé, les façons de faire doivent s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Il faut penser à l'avenir. » On n'a qu'à penser au chômage qu'on a vécu pendant un certain nombre d'années. Là, il y a une pénurie de main-d'œuvre et il y a un boom des besoins. Actuellement, il manque entre 10 000 et 15 000 travailleurs de la construction afin de répondre à tous les besoins. Il réclamera donc plus de souplesse des travailleurs et des employeurs des 25 corps de métiers réglementés. Oui, ça requiert une certaine polyvalence pour permettre de réduire les délais et conséquemment abaisser les coûts. La FTQ Construction, qui représente 43 % des travailleurs, n'est pas contre, mais... On a une carence de qualifications puis de compétences, fait que faudrait commencer par former nos gens comme il faut adéquatement dans l'industrie de la construction. La FTQ montre aussi du doigt les employeurs. Les employeurs sont plus cloisonnés que les métiers de la construction. Puis ça, bien, le règlement sur la formation professionnelle le prouve. On va demander à un entrepreneur peintre de poser du carrelage ou de poser du tapis. Il va dire je fais pas ça, là. C'est sûr qu'avec 26 corps de métier, il y a certaines entreprises qui se sont bâties au cours des dernières années, qui ont bâti leur marketing, qui se sont fait un nom à propos des corps de métier qu'ils représentent. Puis on ne veut pas s'attaquer aux corps de métier. On veut vraiment qu'il y ait plus de flexibilité. Le ministre aura également de la difficulté à faire avaler la mobilité de la main-d'œuvre afin que des travailleurs puissent passer d'une région à l'autre où la demande est plus importante. Mais il ne faut pas que ce soit nécessairement une mobilité sans condition. La FTQ s'inquiète et donne l'exemple de la Gaspésie où des centaines de travailleurs restent chez eux alors que des employeurs font venir des ouvriers d'ailleurs. C'est même l'intimidation qui est vécue par les personnes de région. S'ils ne veulent pas travailler avec les horaires de travail qui vont être demandés par l'employeur qui vient d'une autre région administrative, il lui dit carrément qu'il ne les embauchera pas. La semaine prochaine, le ministre devra poursuivre son travail de rapprochement. Donc, il y a des risques quand même qui sont grands avec ce projet de loi-là. On change des règles du jeu. On nuit à la paix industrielle qui règne actuellement dans le secteur de la construction. On n'est pas contre dans son entièreté parce qu'on a un paquet de demandes là-dedans. Il y aura une poursuite d'une grande conversation. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.